À la requête du parquet du Hainaut, la police nous demande de diffuser l'avis suivant. Le 5 avril 2013, une dame se rend au distributeur d'argent situé à Châtelet, place Saint-Roch. Elle entre dans le sas et est suivie par deux individus. Alors qu'elle réalise une première opération sur un terminal, elle est épiée par un malfrat qui l'observe introduire son code secret. Un peu plus tard, alors qu'elle réalise une nouvelle opération sur un autre terminal, la victime est distraite par une seconde personne qui jette deux billets de 5 euros à terre. Lorsqu'elle se baisse pour les ramasser, le complice en profite pour s'emparer de la carte de banque de la victime. Il quitte ensuite rapidement l'agence avec la carte volée. Le premier auteur est un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, de corpulence mince et mesurant approximativement 1,60 m. Il a les cheveux noirs et bouclés et le visage mince et creusé. Il a le teint basané et pourrait être d'origine d'Europe de l'Est. Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon gris clair et d'une veste de type doudoune de teinte foncée. Une capuche le recouvre partiellement le visage. Le second auteur est âgé d'une trentaine d'années et mesure environ 1,85 m. Il était vêtu d'un manteau trois quarts noir, d'un jeans bleu et d'une casquette noire qui lui cachait le visage. Si vous reconnaissez ces deux individus ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300.